Les Marseillais n'ont pas d'illusion. Ils n'ont pas le métro, ils ont encore par contre un tram, le tout dernier, le bon vieux 68 qui entre et qui part. Nous sommes à l'heure de pointe évidemment et les passagers sont anxieux de rentrer chez eux à l'heure du déjeuner. Le métro de Marseille, c'est la fête, surtout le jour de l'inauguration. Avec le mistral glacé qui souffle à la station La Rose, il faut bien cela pour réchauffer les 1500 invités du premier voyage. Mais même si l'on est maire de Marseille, on ne peut éviter le ticket. Et après la bouderie du premier portillon automatique, devoir choisir le second. À Paris et en banlieue, les ouvriers pétroliers ont fait grève pendant plusieurs jours. Suivant leur exemple, les transporteurs ont à leur tour cessé le travail. Les cheminots de la région parisienne ont débrayé. Gare de l'Est, devant les grilles fermées, des milliers de personnes ont attendu le départ d'un dernier train hypothétique.